C'est parti pour la vidange de ma Twingo 2. Elle a plus de 200 000 km, 14 ans, et je m'en sers en troisième voiture, donc 30 ou 40 euros de frais, ça sera largement suffisant. Ni fosse, ni pont levant pour cette opération. On va donc légèrement relever l'avant de la voiture. L'emplacement du cric est repéré. On aura bien sûr bien tiré le frein à main. La roue arrière se relève mais va redescendre lorsqu'on va relever l'autre côté. On repose en attendant celui-ci sur une chandelle. On aurait aussi pu se servir de ce type de chandelle à crémaillère ou bien de ces rames de levage pour éviter d'avoir à utiliser le cric. Si tu as deux moellons sous la main, pourquoi pas s'en servir pour assurer au cas où. Voilà, ça devrait suffire pour se coucher sous la voiture et démonter bouchon et filtre à huile. Une fois le bouchon de remplissage d'huile dévissé, on utilise une clé carrée. On place un bac sous le réservoir et on dévisse le bouchon de purge. Pensez au gain, l'huile est chaude puisqu'on a fait tourner le moteur 5-10 minutes auparavant pour qu'elle soit plus fluide. On accède maintenant au filtre à huile par-dessous avec cette clé. L'encombrement est trop petit pour la clé à chaîne. On se prend bien sur la partie inférieure, on serre, on dévisse et on termine à la même. On prépare un filtre neuf, j'ai payé celui-ci dans les 7 euros. C'est mieux de mettre un léger film d'huile sur le joint. On remplacera d'ailleurs celui du bouchon de vidange. Avant de remettre l'huile neuve, c'est quand même mieux de remettre le bouchon de purge en place. Et il faut pas avoir peur de bien serrer. Il reste à remettre le filtre. Ça ne doit surtout pas forcer, sinon ça veut dire qu'on visse en travers. On a l'habitude de dire qu'il faut le visser uniquement à la main. Mais comme ça a tendance à glisser, je préfère légèrement serrer à la clé. Pour l'huile à utiliser, c'est indiqué dans le carnet d'entretien et de garantie. Dans notre cas, c'est la 1040 ou la 540 qui est préconisée. La contenance du réservoir est de 4 litres. On réserve 1 litre à part et on va mettre les 4 litres restants. On reparlera d'ailleurs des différentes huiles moteurs dans la prochaine vidéo. On remet le bouchon de remplissage, on va récupérer l'huile usagée, on la reversera dans un tonneau prévu à cet effet à la déchetterie par exemple. On aurait pu d'ailleurs, pour éviter ces transferts d'huile, utiliser ce type de bac, c'est pas très cher, une quinzaine d'euros, et c'est bien pratique. Et dernière chose, après avoir fait tourner le moteur quelques minutes, on vérifiera tout de même le niveau. Si ton niveau maxi, c'est ok, on a mis environ une heure pour faire notre vidange.